Salut, ben suite, troisième vidéo à partir de la deuxième partie en fait, du travail sur de comparaison entre la construction de Coral Castle par Ed Litskellin et la décoration du Hall Norman dans la Grande Loge de franc-maçonnerie de Philadelphie. On en était au fait que Ed suggérait dans son livre Magnetic Current, courant magnétique, parfois de se servir de câblage de gabarit 16 et parfois de 18. Il s'agit de comprendre pardon, que le gabarit 16 va porter le champ 16, tandis que le gabarit 18 va porter le champ 18. Et ici, par exemple, enrouler une bobine de 500 tours avec un fil de cuivre isolé de gabarit 16. Sur une bobine. Donc. Et voici un schéma où on fait bien la différence entre justement les gabarits 16 et le gabarit 18. Donc, je pense que ce U-là, c'est un aimant. Il y a une transformation. Le champ 18 est à un niveau plus bas que le 16. Ed nous parle d'une boîte en bois. Il nous dit d'abord de poser une boîte en bois sur le sol. Parlerait-il d'une caisse? En fait, chaque fois qu'Ed mentionne une boîte en bois, il fait référence à une pyramide en bois. Ed nous dit de faire traverser un fil au travers de la boîte, allant d'est en ouest, c'est-à-dire le connectant à une batterie. Ce câblage va aider à polariser les forces dans la pyramide. Gros plan sur le numéro 4, 3, 4, 4. Hein, c'est une fois que le champ est établi là. Ed nous raconte la manière dont il a pratiqué, mais ce n'est pas une mesure arbitraire pour ce câblage, pour ces fils, ces câbles de cuivre. Gabarit 16, gabarit 18. Ed précise que le câble devrait être d'un huitième d'inch d'épaisseur et de 18 inches de long. Il y a une proportion donc. Il nous dit de mettre un fil de cuivre de 18 inches de long et de un huitième de inch de large en travers de la boîte de l'est vers l'ouest donc. Toutes les opérations que Ed préconise de faire sont notées aussi en fonction de votre position vis-à-vis des points cardinaux. Dans votre atelier, quand vous allez faire les expériences, il va vous falloir vous placer de manière précise. Et ça compte pour le décryptage du manuel. Or, 8 fois 18, ça fait 144. C'est une référence à 144, où la longueur du câble est 144 fois sa largeur. Le fil qui passe d'est en ouest, et qui est donc ce câble polarisant, il traverse les points de division qui sont associés avec le 144. Intéressons-nous au point de division latérale sur la pyramide. Les composants décrits par Ed correspondent à ceux qui sont montrés sur la photo E1 qu'on a là à l'écran. Ed nous décrit une pièce d'acier polarisée de 3 pieds de long. Or, 8 fois 36 égale 288. Et 3 pieds, donc 36 inches, est une référence à donc 288, qui est le sommet de la pyramide. Quand Ed mentionne sa baguette de souder de 3 pieds, il fait référence à ce morceau-là, ce bout-là. Je vais vous le montrer. C'est celui-là, l'horizontale, je pense, qui a été rosie. Ed dit au lecteur de toujours rester à l'ouest. Quand vous lirez Magnétique Courant, utilisez-le, s'il vous plaît, en même temps que toutes les autres sources d'informations. C'est de cette manière-là qu'Ed nous a laissé sa solution.
Chapitre ensuite, au plan, zoomé, le maillet. Donc, ces deux parties blanchies ici sont gardées en dessous. Cette partie du champ est transférée par la chaîne, ici, en bas à droite, et elle est maintenue dans le bois. Et on voit que donc ces formes en gouttes, en flammes, représentent elles aussi le champ. Un champ. Le champ d'oiseau. Gros plan sur la chaîne. De la photo E1. Qui n'était pas dans l'axe, hein, si je me rappelle bien, sur une autre photo. Parce qu'à ce point, le cœur du bois peut avoir une influence. On se rappelle qu'il y a effectivement une tige de métal dans ce bois, hein, me semble-t-il. Il nous fait une correspondance avec le Hall Norman. Il est possible que des ondes radio nommées exotiques sont générées par le système de la roue volante et qu'ils soient transmis aux pierres. Du coup, ça interfère sur leur espace-temps et ça travaille sur la gravité locale. Enfin, une idée comme ça, quoi. Vous savez qu'on arrive à faire de la lévitation sonore de gouttes d'eau, par exemple, qu'on place à des points nodales d'une fréquence statique, qu'on appelle les ondes stationnaires. Les pierres peuvent être à quelques distances et elles n'ont pas besoin d'être en contact physique avec la roue volante. Ici, il nous montre le changement de champ. Je suppose, d'après les quatre angles de cette pyramide inversée, si on peut dire, cette forme conique inversée. La forme de cet objet dérive de la forme de l'étoile. Et nous zoom cette partie-ci. Au plan. Et de la même manière que l'étoile, il a un angle de 60 degrés. Il y a des alignements en bas entre le spiras central et ses deux pointes. Le dit alignement est retrouvable sur la photo E1. Et on voit là qu'effectivement, Ed a pris une position avec son bras exprès pour former ce triangle isocèle à 60 degrés. Donc, sur cette photo, tous les éléments sont à prendre en compte parce que chacun de ces éléments a un parallèle avec ce qui est décrit dans le Hall Norman et la méthode employée pour bouger les pierres. On peut définir un niveau diagonal au sein de l'espace de l'angle droit majeur. Cette forme est une combinaison des influences d'une étoile horizontale et d'une étoile verticale. Ici, il nous fait un parallèle avec l'étoile. Les angulations. Il nous dit que cette forme est une combinaison des influences d'une étoile horizontale et d'une étoile verticale. Il nous fait le parallèle entre celle-ci avec ses angulations et celle-là avec les mêmes angulations. La pointe de l'étoile est poussée dans la section du 180 degrés. Corollaire. L'aimant qui tient, l'aimant qui accroche, l'aimant accroché. On demande à l'opérateur de tenir un gros aimant à une distance de l'installation. Ce qui est représenté par le chapeau que tient Ed et dont l'ouverture indique un champ de flux, une direction pour un flux. De près. De plus, les trois points sur le chapeau font référence à un triangle à 0 degré, 120 degrés et 240 degrés sur l'étoile. Il y a 6 divisions sur le chapeau et elles sont ici aussi. Qui passe sur le luminaire. Les déplacements verticaux et horizontaux indiqués par le plan et le niveau sont initiés par des mouvements de l'aimant de la part de l'opérateur qui le tient. Donc, dans l'idée, vous avez là un champ magnétique global
vous approchez un aimant particulier et donc vous créez des réactions dedans. Donc, si ce champ est flottant et que moi j'ai un petit aimant là, ben, je vais peut-être le pousser comme ça. Hein. Ou si je déplace mon aimant, je vais avoir des réactions de la part de l'autre champ. Enfin, en illustration, hein, je dis ça. Voilà. Hypothèse. Ici, sur le dessin S2, le plomb, donc le déplacement vertical, est en action. La hauteur de l'aimant mobile a changé de la place où il était en S1, entre ce dessin-là et celui-ci. Vous voyez, par rapport à la pointe de l'étoile. Par rapport aux deux niveaux du tube. Une fois, il est au niveau du bas du tube, et là, il est plutôt au niveau du haut du tube. À ce niveau-là, sur le mur dehors du renfoncement, il est en bas du niveau du tube. On pénètre dans le renfoncement, il se passe quelque chose, et ce point-là finit par se trouver au-dessus du niveau du tube, et à ce moment-là, se dévoile l'étoile. Et là, on est dans le fond du renfoncement, sur cette paroi-là. Le Hall Norman et Coral Castle montrent constamment la même chose. Hein, c'est pas une pinéale, là. Quoique, peut-être que si. Hein. On l'évite. Au plan sur la plaque de sortie ou d'entrée. Chapitre Babylone ancienne. Il y a à peu près 3000 ans de cela, dans la ville babylonienne de Sippar, de nos jours en Irak, on se servait aisément des secrets de l'univers. Petit détail sur cette fresque, sur cette gravure, c'est la tablette de Samash, qui est actuellement au British Museum. Les secrets de l'univers sont utilisés par Samash, le dieu du soleil. Lui, là. Ce gros gars à droite, vous ne pouvez pas le louper. Ne perdez pas de vue que même du temps de Babylone, la véritable signification de ceci était sûrement limitée à un certain nombre d'initiés. Alors ça, c'est encore une gravure où tout compte. La forme du pilier ici, les angles qu'il y a là, ce qu'il y a ici, ce dessin-là, le fait que ce soit sur un socle surélevé, la hauteur des personnages, ce monsieur est un géant, sans nul doute, sa coiffure, ce qui tient à la main, les rods, ce qui est écrit ici, le fait qu'il y ait un personnage qui est là-haut, qui soutient, soi-disant avec des bouts, ce meuble en dessous, mais pas de manière logique. D'ailleurs, hein, si vous constatez, c'est pas vertical, il n'est pas à la verticale. Ce qui est gravé là-dessous aussi, je ne me rappelle plus ce que ça signifie. Enfin, on continue. L'équivalent du tuyau est juste ici. Il nous a blanchi le pilier vertical de devant. Et l'angle droit, le gros angle droit du MRA est impossible à manquer. Voici le champ vertical. La représentation soi-disant solaire. Mais ce n'est pas tout. Regardez-moi ça. Les voilà. Et voici la corrélation entre les angles respectifs. Ici, dans l'alignement de la chaîne, avec un angle à 45 degrés, marqué par je ne sais plus quoi. Et ici, entre ces deux bras de... du glyphe et les deux chaînes. Ces aspects du champ vertical sont ramenés vers le bas. Et bien sûr, les archéologues nous disent que ce disque circulaire représente le soleil. Mais ça va aller pour nous. Ils admettent aussi qu'ils n'ont aucune idée pourquoi est-ce que le soleil était représenté ainsi.
Il y a trois symboles près du sommet du tuyau. Et voici les différents états du champ qui peuvent exister sur le tuyau. Chacun d'entre eux a d'incroyables associations. Avec Sin, la lune, avec Samash, Shamash, le soleil, avec Ishtar, qui est Vénus. Donc la partie féminine en Ishtar, partie masculine en soleil, et Sin, la moon, je ne sais pas, peut-être neutre. C'est la Terre. Oui, façon de parler. Il y a aussi trois variations de chant sur les tuyaux du hall Norman qu'on peut faire correspondre avec ceux de la tablette. C'est pas mal, hein? Ah, Babylone. Les jardins suspendus. Est-ce que ce sont les mêmes Babyloniens qui nous ont donné le concept de diviser un cercle en 360 degrés? Je suggérerais que 360 degrés n'est pas arbitraire. Est en fait dérivé du savoir utilisé pour travailler avec l'univers. Donc en rapport avec les forces en emploi dans l'univers. Mais Babylone n'est pas le début, ni même la fin de cette histoire. Et là, on va rentrer dans le hall central, qui est donc le hall égyptien. George Herzog a aussi décoré le hall égyptien, qui est juste à droite du hall Norman. Quelques vues. Herzog a passé plusieurs années d'études afin de faire en sorte que le hall égyptien soit un reflet précis des secrets des Égyptiens. Peu ont la moindre idée du temps et du travail qu'il a fourni afin de reproduire cet art historique montré dans le hall égyptien. C'est une appréciation par Mark C. Lulen sur le travail de décoration de George Herzog. Gros plan. Quelques vues du plafond. Fresque égyptienne. Ouais. Mobilier. Bas-relief. Sculpture. Décoration. Il nous faut réécrire une histoire là. Voici une photo des grands maîtres de 1909 à l'entrée de la Grande Loge de Pennsylvanie. Gros plan. Gros plan. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Encore un joli gros plan. Il doit y avoir un décodage à faire encore. Photo d'aide qui nous parle des secrets de l'univers dans lequel on vit. Une de ces décorations étranges. Il doit être un indice. Des remerciements auprès du staff de Coral Castle. Des vues de loge. Fraternité. Tout le monde est sorti. Je suppose qu'ils ont 33 à l'écran. Ce que vous avez vu n'est qu'une vue superficielle du travail qui est impliqué. On n'a pas pu inclure de nombreux détails dans ce reportage. Il reste de nombreuses questions qui attendent d'être répondues. Ce sujet est plus complexe que ce que l'on pouvait l'imaginer. Des détails continueront à sortir. Avec assez de réflexion, cette technologie peut être retrouvée précisément de la manière dont cela avait été préparé. Qui aurait pu penser que c'était des plans pour quoi que ce soit? Qui pourrait penser que ce ne serait pas des plans pour quelque chose? Corrélation. Et si on s'arrêtait là, s'il nous manquerait quelque chose? Or, j'étais tombé sur la première version où il détaille justement ces mathématiques, arithmétiques. Donc, ça fait deux fois que je vous parle et qu'on ne voit pas venir. Et qu'il est absolument obligatoire de faire mentionner ici. Alors, j'espère que dans ce bout de vidéo-là, on va trouver ça. C'est un rapport avec les nombres premiers.
Vous allez voir, c'est hallucinant. C'est merveille mathématique. Bizarrerie mathématique. On repart avec Ed dans son jardin. Ces panneaux à l'entrée qui marquent entrée, et puis c'est marqué ici, vous allez être témoin d'accomplissements inusuels, extraordinaires. Vous allez voir des choses extraordinaires. Vue de l'intérieur, jardin, le puits, son château, quelques escaliers, le jardin, la lune, une grotte, des escaliers, des murs, des meubles, des sculptures, des indices partout, des fleurs. Ah, s'il y a des fleurs, je pense que le jardin, c'est aussi un plan électrique. Ed avait trouvé les secrets des anciens constructeurs, le secret de tous les secrets, l'accès direct à la force créatrice de l'univers lui-même. Petite table de jardin. Vous voyez, donc, il taillait ça dans le roc, dans le corail du sous-sol. Tout seul. Et souvent de nuit, pour pas que les gens voient comment il faisait. Ici, une course solaire qui est inscrite et qui a son rôle comme un calendrier solaire, un alignant possible, la porte de 9 tonnes ou de 30 tonnes, je ne sais plus, 9 on va dire, qui s'ouvre sous la simple pression du doigt d'un enfant. Enfin, à l'origine, ça se faisait comme ça. Bon, elle a été retapée, et je crois qu'ils s'en sont beaucoup moins bien sortis que Ed pour la remettre en place avec son point d'équilibre au barycentre parfait. Petite vue d'ensemble. On a donc là Saturne, a priori, hein, une des lunes. La fontaine de la lune, un des sièges, l'autre siège devrait être là, je vois mal. Accès à son petit atelier maison. Ah ouais, c'est du bloc quasi mégalithique. Hein. Et là, il va y avoir son atelier, donc je vais vous le laisser en direct quand même. Faire quelques petits blocages occasionnels. Voilà. C'était dans l'état, normalement. Et donc, les positionnements, mais même de tout ce qui est ici dans le tableau de bord, là, si on peut dire, doit être pris en compte, à mon avis. Vous voyez, toutes ces pièces très simples, de manière électrique, quelques transformateurs, des enroulements, la roue magnétique, la roue volante, des enroulements, une photo de Ed pour donner un peu de présence. Et Ed qui nous dit, mais c'est pas vraiment difficile, le secret c'est juste de savoir comment. Regardons un peu toutes les preuves ou les indices qu'Ed a laissé pour nous derrière lui. Ça, c'est un indice. Le mot admission a été raccourci par Ed à 3 lettres, ADM. Réduite à des chiffres, à des nombres, ces 3 lettres nous donnent 144. A1, D4, M4. Voici le tableau qui vous permet de comprendre et de vous y reporter pour d'autres opérations. A priori, tout est codé. Même les tweets de Trump à Q sont codés entre eux. Et donc sûrement avec le reste des troupes, d'ailleurs. On avait fait quelques vidéos là-dessus. On reprend. Donc le nombre 144 est un nombre très important par rapport à ces anciennes technologies. Le fait que le sommet soit coupé, la position du 144 et de ADM, et le drop below écrit en dessous avec le point, tout ça, ce sont des éléments très précis, des preuves très précises qui nous ont laissé des indices. C'est une écriture codée. Donc, dans ce nouveau reportage, il nous dit que de la même manière, il y a des indices encodés dans le hall Norman de la Grande Loge de Philadelphie. Donc, voici quelques vues. Encore. D'autres. Enfin, la suite. Cette étoile-ci. Cet angle-là. Donc, une image bien nette de la roue magnétique volante. La forme de l'hexagramme est partout au-dessus de Coral Castel. Bien, on l'a à l'entrée, même si elle est tronquée. On l'a au centre de la mare de la Lune. Autre vue. Autre vue. On va s'intéresser à ces 6 pointes. Vous pouvez les voir ici. C'est la même symbologie. Symbolique. Il y a ces 6 pointes avec des petits triangles à l'intérieur.
Ouais, la pointe en bas ou la pointe en haut d'ailleurs. On a la même disposition en étoile au sein même de la roue, ici dessinée. Cette étoile est recouverte par les champs magnétiques des 24 magnets aimants qui l'entourent. Donc les pôles des aimants sont liés de façon à ce qu'ils montrent vers l'extérieur, ainsi que dessiné sur la photo, à l'écran. Ça signifie qu'il y a 24 pôles sud et 24 pôles nord qui balayent l'extérieur. Ce qui nous donne un total de 48 flux magnétiques qui sortent de l'étoile quelque part. Et il y a effectivement 48 flux de magnétisme qui sortent de cette étoile. Vous pouvez les compter. Alternés. Les deux, la polarité positive et la polarité négative, sont dessinées chacune avec un motif particulier. Plus précisément. Ces aimants individuels, tels que Ed les appellerait, sont décrits exactement comme ça dans son livre « Courant magnétique ». On peut prolonger cette symbolique dans le temple beaucoup plus loin au cas où vous auriez des doutes. Le livre « Courant magnétique » écrit et publié par Edward Lenskalnin en 1945 montre la manière dont le magnétisme se déplace dans un fil, dans un câble. Bon, là, mine de rien, j'ai l'impression qu'il nous a quand même dessiné deux fils. Un noir très foncé, qui ressortirait ici, qui n'est pas celui-là, qui est plus léger. Ça signifie que les courants s'opposent en direction et se facilitent chacun l'un l'autre le passage par leur effet de pas de vis inversé, mais juste celui qu'il faut pour ne pas se heurter et se croiser. Vous voyez ? C'est un petit peu comme ça que ça se passe aussi dans les courants de Birkeland, là. C'est les courants dont la section donne comme un oignon. En fait, il y a des systèmes de rotation qui sont inversés entre chacun des niveaux. On va reprendre. Joli vu. Gros plan. Précisément. Sur ce qui correspond au tube autour duquel on a une spirale. Pas une spirale, une hélicoïde montante ou descendante. Juste à l'entrée de Coral Castle, il y a une affiche où c'est marqué « Ring Bell », ce qui signifie « sonner la cloche » quelque part, si on veut. Et il y a un dessin, un schéma tracé, avec ici en bas un chiffre, dont on voit 0,21. Autre vue de face. On constate quand même que c'est comme s'il amenait ce point-là en liaison avec ce point-là. La diagonale traverse ce que je n'avais pas vu, qui était un soleil à 16 pointes, ici. Un soleil à 16 pointes. On peut retrouver cette forme à 16 à partir de l'étoile. Et c'est cette fois-ci l'étoile qui est faite par les deux carrés. C'est aussi la raison pour laquelle il y a 16 ondes autour de l'étoile dans la fontaine de la Lune, le bassin de la Lune. Qu'est-ce donc cette cloche au milieu de cette étoile? Est-ce qu'elle serait aussi à Coral Castle? C'est à propos du même signe, le soleil. Encore un indice, n'est-ce pas? La cloche, ring bell, et qui passe par le soleil. Prenez note de ce point, de la manière dont est notée cette branche-ci, cette pointe-ci de l'étoile, représentée ici en jaune à droite. Là, c'est un trou. Enfin, presque. Il y a des preuves qui sont cachées dans les alignements.
penser que la photo a été prise du dessous et que normalement les alignements correspondent parfaitement, même si ici on a un léger parallaxe. Bon, donc en clair, on aura bien compris que ce hall Norman de cette loge, grande loge maçonne à Philadelphie, est dédié à ce grand secret universel, tout comme Coral Castle. Il y a d'autres preuves gravées dans les murs de Coral Castle. Ici en haut sont gravés le nombre 7129, 71-29, et en bas, 6-105-195. « 7129 et 6105195 sont deux suites de chiffres qui sont reliés. Il faut chercher la réponse dans les nombres premiers. On sait bien que les nombres, ça vous ennuie en général, mais continuez de regarder quand même. Vous allez flirter avec un grand secret des anciens constructeurs. Les solutions sont aussi reliées au nombre phi, le nombre d'or, à la racine carrée de phi, donc le nombre d'or c'est 1, 6, 18, la racine carrée de phi c'est 1.212, ça va être lié à la roue de Head à 24, 7 démons, au résultat de la forme à 16 branches résultante, à une pyramide avec les bons angles, et à des quadruplets de nombres premiers. Qu'est-ce qu'un quadruplet? Un quadruplet, c'est des fois où il y a besoin de faire un replay, alors on appelle ça un quadruplet. Non, je déconne. Puisque la roue est divisée en 24 sections, chaque aimant couvre 15 degrés. 360 degrés divisé par 24 aimants donne 15 degrés pour chaque aimant. Cela signifie que le premier aimant est à 15 degrés, le deuxième aimant est à 30 degrés, le troisième aimant est à 45 degrés, etc. On peut dessiner ces angles dans un cercle qui représente notre roue volante. Je l'appelle la roue volante, c'est la roue de vol en fait, hein, qui permet de voler, mais bon. Vous imaginez donc là, les 24 aimants, chacun prenant un quartier et couvrant tout le cercle, toute la roue. Bien maintenant, on va pouvoir appliquer les secrets des nombres. La première chose pour comprendre ces deux nombres, c'est qu'il va falloir les diviser de cette manière. 7129 va être divisé entre 7 et plus loin 129, et l'autre chiffre en 6, puis plus loin 105 et plus loin 195. Définition d'un nombre premier. C'est un nombre entier qui n'a pour diviseur que 1 et lui-même. Ces nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, etc., etc. Et voici les 24 premiers. À propos de 7 et 129, la séquence de nombres qui est reliée à cette part du code va vous être révélé maintenant. En additionnant des nombres premiers ensemble, on arrive à d'importantes séquences de nombres. Le premier nombre de cette séquence est 2. Le second nombre premier est 3. En les additionnant, on obtient 2 plus 3 égale 5. Le troisième va nous donner, donc, si le premier nombre premier est 2, le second nombre premier est 3, le troisième nombre premier est 5, 2 plus 3 plus 5 égale 10. Et on continue. Et voici ce que donnent les 24 premiers additionnés de cette manière. C'est la séquence des sommes premières. Elle nous donne donc 2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, 100, 129, 160, 197, 238, 281, 328, 381, 440, 501, 568, 639, 712, 791, 874 et 963. 963. Tiens donc. Pour en revenir au code 7 et 129.
Tout dans ce bout du code dérive de la séquence de cette addition des nombres premiers. Et voici où vient le 129. Le voilà dans notre somme des nombres premiers, le 129. Il nous faut placer maintenant ces valeurs sur notre cercle avec les degrés. Voilà. Vous avez donc les nombres premiers, la somme des nombres premiers au centre et autour, l'angulation en degrés, va-t-on dire. Hop, 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 129 tombe juste en face de 150 degrés, comme identifié là sur le dessin, schéma. Donc sur nos roues maintenant, notre roue maintenant, nous avons les degrés 15, 30, 45 en fonction de chacun des angles, des aimants. Et la séquence des sommes de nombres premiers qui sont répartis tout autour des 24 quartiers de la roue. Cherchons les angles droits à Coral Castle. Ed nous a laissé des indices à propos de ces angles droits. Il y en a un bien planté là sur le mur nord. Il y en a un indiqué par les deux chaises à partir de l'étoile autour de la mare de la Lune. Et bizarrement, on a un angle droit finalement indiqué entre 105 et 195 de la séquence chiffrée 6, 105, 195. Ces deux nombres sont donc à 90 degrés d'écart. Ils créent donc un angle droit. Mais ils sont aussi à un certain nombre d'intervalles de 15. Ils tombent juste pour notre roue, ainsi qu'indiqué. Donc entre 105 et 195, on a créé notre angle droit. Et ça nous prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, j'aurais dû passer par là. Ça nous prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secteurs. Et en plus, la valeur 129 est juste au milieu de cet angle droit qui est créé par les deux valeurs 105 et 195 degrés. Ainsi qu'on peut le constater à nouveau. Donc, qu'y a-t-il de si spécial à propos d'un angle droit qui est juste entre 105 et 195 degrés? Il y a beaucoup plus que ce que l'œil ne voit. Et c'est doré. 1, 6, 18. Intéressons-nous aux quadruplettes de prime, de premier, de nombre premier. Les quadruplettes de prime sont l'une des clés les plus importantes pour comprendre ce code. Raison pour laquelle vous allez faire encore un petit effort d'attention, s'il vous plaît. Voilà, illustré. Cette ligne du code 6195 ne parle que de quadruplets de nombres premiers et d'angles. Un quadruplet de prime, de nombres premiers, n'est pas aussi compliqué que ce qu'il paraît. Lorsque vous avez quatre nombres premiers, le plus rapproché possible, ça y est, vous avez un quadruplet de nombres premiers. Voici un exemple de quadruplet de nombres premiers. 821, 823, 827, 829. Quatre nombres premiers qui se suivent et qui sont très rapprochés. Donc dans ce quadruplet, toutes ces valeurs sont des nombres premiers. Ils ne se divisent que par eux-mêmes et par 1. Toutefois, les quadruplets de nombres premiers sont très rares. Ils sont tellement rares qu'on n'en trouve que 7 en dessous de 2000. Parmi tous les nombres premiers qu'on peut trouver en dessous de 2000, il n'y a que 7 moyens de faire des quadruplets. Il n'y a que 7 suites de 4 nombres premiers qui se suivent de très près. Et les voilà. Il nous les a cherchés quand même. Donc les 4 premiers, 5, 7, 11 et 13. Puis par la suite, c'est toujours entre deux dizaines, donc, et dans des suites de comme 11, 13, 17, 19, ou 101, 103, 107, 109. 91, 93, 97, 99, enfin 191. Donc aussi celle qu'on a vue à l'instant, 821, 823, 827, 829. Mais aussi encore deux dernières. Dans la séquence des 1000, il n'y en a que 8. Enfin, donc 8 nombres premiers qui suivent. Donc en fait, deux fois le quadruplé. Que je ne vais pas vous lire parce que ce n'est pas vraiment intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de prendre le centre de ces quadruplets de nombres premiers.
La magie commence quand on commence à regarder à la valeur qui est comprise, qui est illustrée par le centre de ces quatre nombres premiers. Par exemple, dans le quadruplé 821, 823, 827, 829. Les valeurs centrales sont 823 et 827. Et le centre va être au milieu. Et la valeur du milieu, c'est 825. Donc, le centre de ce quadruplé sera 825. On est bien d'accord? C'est facile. Ce qui est bizarre, c'est de faire cette gymnastique. Mais sinon, le calcul est simple. Il n'y a rien à calculer. Il faut noter que cette valeur centrale n'est pas un nombre premier elle-même. Le milieu de ce quadruplé, lui, n'est pas un nombre premier. En fait, il s'avère que les quadruplés de nombres premiers contiennent un nombre très spécial en leur centre. Il faut y regarder de très près. Voici les valeurs centrales des sept premiers quadruplés. 9, 15, 105, 195, 825, 1485, 1875. Je vais vous montrer où est-ce que le nombre d'or, phi, et le rapport doré sont cachés deux fois parmi les quadruplés de prime, de nombre premier, et à chaque fois au centre même, et nulle part ailleurs. Le centre de ces quadruplés correspond avec des angles. Vous vous rappelez cette partie du code, 105 et 195? Ces deux nombres sont deux centres de quadruplés de prime, ici montrés à l'écran. Rappelez-vous qu'il n'y a que 7 quadruplés de nombres premiers en dessous de 2000 et que parmi les chiffres qu'a laissé Ed, 105 et 195, il y en a deux et qu'ils ont juste deux centres. Et ils vont aussi faire phi. Phi. On a déjà montré qu'il y avait un angle de 90 degrés compris entre ces deux valeurs et qu'il tombait juste au milieu de 129. Enfin, que 129 en était le milieu. Donc, cette partie du code 105 et 195 concerne essentiellement des angles et des quadruplés de prime. Maintenant qu'on connaît leur relation entre 7 et 129 dans la séquence de la somme des nombres premiers, et entre 6, 105 et 195 avec les quadruplés de prime et des angles. Ces faits sont reconfirmés lorsqu'on examine la signification du 7 de la séquence 7 et 129 et du 6 de la séquence 6, 105, 195. Vous avez vu que les nombres premiers étaient très importants dans cette solution. Mais maintenant, ce n'est pas juste les nombres premiers qui sont importants. C'est aussi leur position dans la séquence des nombres premiers qui est importante. Par exemple, le 2, qui est le premier des nombres premiers, est en position 1, n'est-ce pas? Le 3 en position 2, le 5 en position 3, comme montré à l'écran, rapidement. On peut appeler ça la suite des nombres premiers. Non, le nombre de positions des nombres premiers. On a bien compris que, par exemple, le nombre premier 29, qui est à la 10e position, aura le numéro 10 comme numéro de position. Cherchons phi dans ces quadruplés de prime. Petit arrêt sur le tableau. Il nous faut voir quel est le numéro dans la séquence des nombres premiers qui sont compris dans ces quadruplés. Cette table montre le numéro dans la séquence des nombres qui sont près des nombres premiers qui appartiennent à ces quadruplés de nombres premiers. Par exemple, le second quadruplé, la seconde séquence de quatre nombres premiers qui sont très proches les uns des autres, c'est donc la séquence 11, 13, 17, 19. Le nombre 11 est en 5e position, le 13 est en 6e, le 17 en 7e et le 19 en 8e position. D'accord? Et quoi donc à propos du centre
de ces quadruplets de prime, ces centres qui ne sont donc pas des nombres premiers, mais on va leur donner quand même un nombre dans la séquence des chiffres premiers, afin que les secrets se révèlent. On va examiner maintenant les deux nombres premiers qui sont d'un quadruplet qui appartient à cette partie du code 6, 105, 195. On se rappelle que 105 et 195 sont justement des centres de deux quadruplets de prime consécutifs. En utilisant les quadruplets de prime associés, on peut trouver phi. Et ça, ça ne marche qu'avec les deux quadruplets de prime que Ed Litskalnin a utilisé dans son code. Aucun autre. Donc là, en clair, dans la résolution d'une énigme, ce genre de preuve qui est unique et irremplaçable s'impose en général dans le raisonnement. Et en plus, elle s'auto-prouve, quoi. Donc, focus sur cette partie du tableau, autour des deux quadruplets, dont 105 est un centre et 195 est un autre centre. Dans les quadruplets des chiffres 101, 103, 107 et 109, en premier, 101 était à la 26e position, 103 à la 27e, 107 à la 28e, 109 à la 29e. Et pareil pour la suivante. Petit reflash sur cette gravure dans la roche, d'un mur, de Coral Castel. Maintenant, on va donner des nombres dans la séquence des nombres premiers aux valeurs centrales de ces quadruplets de prime. Les dites valeurs centrales donc ne sont pas des nombres premiers, mais on va leur donner quand même un dossard dans la course. Là. D'accord ? En quart, je subodore que quand on fait ça, ça équivaut à une projection entre deux espaces de conception. Comme on avait vu avec les vidéos de Tim Rifa, il existe aussi un espace qu'on appelle l'espace de I carré, l'espace imaginaire, où il y a des effets énergétiques qui sont en symétrie de notre espace, quelque part. Et quand on passe de l'un à l'autre, d'un domaine à l'autre, c'est un petit peu, je dirais, je pense, hein, de la même manière, quand on passe là de nombres premiers à leur position, ou quand on attribue à celui qui n'est pas premier, finalement, un dossard quand même, comme je dis, on fait là un rapport direct de projection entre deux endroits. Et donc peut-être bien deux qualités d'énergie là, dans le cas qui nous considère, enfin qui nous intéresse. On reprend. Donc, notre premier quadruplet de prime est 101, 103, 105, 107, 109, pardon. Avec des chiffres, des nombres plutôt, qui sont aux positions 26, 27, 28 et 29. Le milieu du premier quadruplet, c'est 105. Il est entouré par des nombres premiers qui sont dans les positions 27 et 28. 105 est entouré par 103, qui est à la position 27, et par 107, qui est à la position 28. Donc, entre 27 et 28, si on doit donner une position à un brassard, un dossard à 105, on va pouvoir lui donner que 27,5. Et on va faire pareil pour 195. Et le milieu entre la 44e position et la 45e, ben c'est 44,5. Donc, on vient d'additionner à notre potage deux nombres qui sont 27,5 et 44,5. On va les inclure dans le tableau. Donc, on a mis 105 et 195 affichent leur brassard maintenant. Le premier à 27,5 et le second à 44,5. Ils prennent le train sur le quai. 7¾. Or, le rapport entre ces deux nombres est précisément phi. 44,5 sur 27,5 donne 1,618 phi. Les quadruplets de prime nous aident à définir la réalité même dans laquelle nous existons. 6, 105, 195.
Edouard Letskalnin savait tout à leur propos. En tout cas, ça va beaucoup trop loin pour être une coïncidence. Et il y en a encore beaucoup à découvrir. Tout le reste tombe aussi sous la coupe des quadruplés de Prime. Vous rappelez-vous ADM qui signifie 144? Il y a des quadruplés de Prime dans la séquence des Prime, opposition 144 et 288. Rappelez-vous qu'il n'y a que 7 quadruplés de nombres premiers en dessous de 2000. Et chacun d'entre eux mérite des études approfondies. Regroupant sur Norman Hall, l'encaissé, un affleurant. Maintenant, on va vous montrer comment est-ce que 144 donne phi. Encore. La magie vient bien du centre de ces quadruplés, de prime. La pyramide et ses angles droits, une forme de pyramide, comme la grande pyramide d'Égypte, a un angle de 51,83 degrés. Vu de côté, voici le schéma à l'image. On peut dessiner un angle, à partir d'un angle droit au centre de la base, une montante qui va partager en deux la surface du triangle. De cette manière. Et en fait, là, il va traverser la hauteur à une distance ici de 1 et là de 1, 2, 7, 2. C'est le point de séparation. Le ratio de ces deux divisions est toujours le même. 1, 2, 7, 2 par rapport à 1. Première longueur 1, deuxième longueur 1, 2, 7, 2. Par exemple, si la longueur totale de la pente de la pyramide était de 2,272 m, on va le diviser en une première position, une première portion d'un mètre et une deuxième portion d'un mètre 272. Ah, il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir à propos de 1,272. Il s'avère que c'est justement la racine de phi. Racine carrée de 1,618 égale 1,272. Racine carrée, ça signifie que si vous multipliez 1,272 par lui-même, ça donne 1,618. Donc là, on a une connexion directe entre des angles droits, la forme d'une pyramide, pardon, et la racine carrée de phi, qui est donc 1,272. On retrouve la même symbolique dans le hall Norman. Vous avez votre pyramide, vous avez le point de partage, la section de 1, la section de 1,272. En plus, ça nous est indiqué par cette ligne qui monte et ce gros point noir au centre. Je dis noir, mais c'est peut-être rouge, hein, donc on va dire sombre. Ce point qui a justement à ce ratio entre 1,272 et 1, en plus gros plan. On peut déplacer, on peut élargir cette symbolique à d'autres pyramides dans la même pièce. Les pyramides ici, autour du Soleil, c'est Piras, qui tiennent donc les Spiras, qui tiennent, qui incluent. Si on prête attention au motif à 16 branches du Soleil, on peut voir qu'il est en fait basé sur l'interaction entre deux carrés. Vous avez vu les coins du carré d'en haut, là, tac, les bords verticaux, et l'autre carré qui est incliné à 45 degrés, paf, 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 n'est-ce pas? Donc, l'étoile à 8 branches, celle-ci. Voilà, les deux bien marqués, reschématisés, c'est bien vu. La base de la pyramide est un carré. La forme énergétique du Soleil est ce avec quoi la pyramide interagit. La base de la pyramide rencontre un de ces carrés. À vue d'oiseau, la base de la pyramide
rencontre un des carrés de cette forme à 16 branches. Et que va-t-on faire du carré restant ? Eh bien, il rencontre aussi la pyramide, mais pas n'importe où. Il interagit à la position au-dessus des angles droits, de l'intersection des angles droits, dans la partie haute de la pyramide. C'est la raison pour laquelle les pyramides autour du Soleil ont cet élément doré en plus dans leur partie haute. Il les faisait appeler spiras. Il y a une division selon Phi au sein même de la pyramide. Face à cette hauteur. En allant sur un autre mur de cette même salle, nous pouvons voir une autre version de la pyramide avec des détails surprenants. Et ici, on se rappelle les fleurs rouges, les forces rouges, la fleur fermée rouge. Gros plan. Eh bien, voici une impression artistique de force magnétique en travail. J'ai dit impression, une représentation. Pardon. Ça devrait vous exciter. Pour ceux qui pourraient avoir des doutes, voici une petite corrélation. Vous voyez que sont notés ici les points d'intersection, de séparation, à la distance finalement entre 1 et 1, 2, 7, 2. Vous voyez qu'il y a un relâchement d'énergie en 5 brins, en 5 feuilles, je vais dire. Et vous voyez un entour, un encadrement ici aussi, avec les mêmes couleurs finalement. On va y venir. Voici le tableau plein. Ça va nous permettre de comprendre ce qui reste à comprendre à propos de la pyramide et la roue de vol. L'étoile au centre de la roue de vol crée la forme à 16 branches que nous venons de voir dans le temple maçonnique. Et ensuite, la pyramide vient se placer au-dessus de la roue. Comme ça. Comme si. Et on n'a même pas fini avec le code. Le secret pour comprendre le 7 et le 6. Multiplions chacun d'entre eux par le nombre de divisions qu'il y a sur la roue de vol. 24 donc. 6 fois 4 et 7 fois 24. 7 fois 24 donne 168. 6 fois 24 donne 144. Donc on a la séquence 7 associée à 168 et 129. Et en dessous, 6 associé à 144 et 105, 195. Pour appliquer ces nombres, nous devons retourner en arrière et voir quel nombre de séquences ces valeurs sont reliées. À quel nombre de séquences, quel est le nombre de séquences de ces valeurs ? Nombre d'un, le numéro dans la séquence, le brassard. Donc 7 associé à 168 et 129. Plutôt, on a vu que 129 était dérivé de la séquence de nombres premiers additionnés ensemble. Et puisque 7 appartient à la ligne 7 et 129, sa réponse est aussi liée à la séquence des nombres premiers, des sommes des nombres premiers. Est-ce que 168, qui est obtenu en faisant 7 fois 24, est-ce que 168 est quelque part dans cette séquence des sommes des nombres premiers ? Eh bien, il s'avère que 168, c'est justement la somme de 4 nombres premiers consécutifs, 37, 41, plus 43, plus 47. Et ce n'est pas n'importe quel nombre premier. Les voici représentés. On arrive au centre, marqué par l'angle droit, qui était compris entre 105 degrés et 195 degrés. Et ce centre vient s'intercaler à la position 42,5. Ou 42. Attends, j'ai une bêtise là. En tout cas, entre le quadruplet de nombres premiers, qui sont à la 37e position, à la 41e, à la 43e et à la 47e. Si j'ai bien compris. En plus, ils sont de part et d'autre de l'axe des 195 degrés, donc. Et croyez-le ou pas, les francs-maçons sont d'accord.
Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les francs-maçons sont des bons gars, parce qu'ils ne le sont pas. Quoi qu'il en soit, ils sont en possession d'un grand savoir qui a été gardé secret depuis toujours. Il nous faut rajouter un carré dans notre tableau qui va représenter la base de la pyramide et qui va être posé au-dessus de la roue de vol. Le voilà. On le voit bien, donc. Un angle sur le 129. Il reprend l'angle droit qui était quillé entre 105 et 195. On peut voir que chaque côté de ce carré de la pyramide, de la base de la pyramide, est soumis au magnétisme de 7 aimants entre les deux angles, angle y compris. Par contre, le nombre 168 nous dit de n'utiliser que juste cette position-là, la position comprise entre les angles, entre les secteurs 328 et 160. Quand vous soustrayez l'un à l'autre, vous obtenez justement 168. Donc, vous allez laisser tomber les aimants des angles. Vous considérez que les éléments, qu'on va dire, entiers, regroupant sur le schéma, on ne veut pas tous les 7. On n'en veut que 5. Si on se reporte au Norman Hall, vous pouvez constater qu'est-ce que l'on ne veut pas. Il faut constater qu'il y a des nœuds sur chaque côté de la pyramide. Ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y a des nœuds, là, en dessous du 7, par exemple, et puis ici, et puis là. Alors qu'ici, là, quand on n'en sélectionne que 5, on peut constater que sur les bords de la pyramide centrale, ce sont de belles expressions d'un magnétisme libre qui sont dessinées. Regardez que les aimants des coins ont été ignorés, ils n'ont même pas été dessinés. C'est ça la signification du 168. Il ne faut prendre que les faces, pas les angles, pas les coins. Tout est dans ce temple maçonnique. Il n'y a pas de désinformation et il n'y a pas de mensonge. Bien, on a fait un joli petit tour maintenant, là. On sait plein de choses de nouveau, de nouvelles. Il va falloir laisser décanter ça un petit peu et puis tester. Si vous avez l'occasion de tomber sur les livres de Ed Letskalnin, faire les petits exercices de magnétisme, là, d'apprentissage du magnétisme. C'est pour aider à penser à sa manière. Un dernier coup d'œil sur son atelier, sur la roue, sur Ed Letskalnin, qui est sûrement en train de nous passer un message là, qu'il faudrait décrypter. En fonction de la position de la Lune, de la manière dont il est assis, peut-être le jour où a été prise la photo, je ne sais pas. Il a le bras à angle droit. Photo regardée. À partir de cette photo-là aussi, d'ailleurs, il y a des choses à comprendre. Et à partir de celle-là, eh bien... Ouais, il passait pour quelqu'un d'indigent et puis finalement il s'avère que il avait en lui de grands savoirs. Il a l'air un peu déçu de notre passivité. Non ? Bien, c'était une petite entracte. Donc, la partie restante du code sont les chiffres ou les nombres 6 et 144. 6 fois 24 et donnant 144. De la séquence donc du 6 associé à 144, 105, 195. Cette ligne est en relation avec des quadruplés de prime et des angles, selon la même logique que avant avec la ligne 7 et 129. Parce que 6 fait aussi partie de la ligne 6, 105, 195, il doit être relié à un quadruplé de prime
Est-ce que le nombre 144 apparaît quelque part dans les quadruplets de prime? 144 n'est pas un nombre premier lui-même. Donc, il ne va pas faire partie d'un quadruplet de prime. Donc, nous avons besoin de regarder au dossard, au numéro dans la séquence des nombres premiers. Dont acte avec le tableau. Et je vois là qu'il y a un 144 inscrit. Les nombres premiers qui sont dans le cinquième et le septième quadruplet de prime sont tous sont en position 144 et 288. Ce qui tombe encore bien avec aussi peu de quadruplets en dessous de 2000. Les voici encadrés. Vous vous rappelez que la magie est dans le centre de ces quadruplets. Et donc, quand on regarde au centre des quadruplets concernés par les positions 144 et 288, on tombe sur 825 et 1875. Et ces deux valeurs ont entre elles exactement le même ratio et un angle droit dans la pyramide. Donc, on a 1875 divisé par 825 qui donne 2,272. Qui est racine de phi, plus 1, à ces valeurs des centres des quadruplets de prime, on peut donner des positions sur la pyramide elle-même. Et c'est la même valeur que tout à l'heure. Si ici on a un segment de 825, là on aura un segment de 1875. Alors pour un segment total, pardon, de 1875, on aura une hauteur de 825 et un segment de 1050. Avec 1050 divisé par 825 qui donne 1,272. Donc, de nouveau, le centre des quadruplets de prime correspond à des angles. On a déjà vu que les centres de ces quadruplets de prime correspondront à des angles, ici à l'écran. Ce qui signifie qu'on ne connaît pas non seulement une hauteur particulière dans la pyramide, on sait aussi de quelle paroi de la pyramide on parle. Et il s'avère que 825, reporté sur un cercle, ça équivaut à un angle de 105 degrés. Ça équivaut à un tour, deux tours et 105 degrés. Donc maintenant, nous savons que le centre de ce quadruplet de prime qui rencontre le nombre 144 dans la séquence de prime est à un angle de 105 degrés sur la pyramide à une hauteur qui correspondra avec l'intersection d'un angle droit. Ainsi qu'illustré, nous avons donc notre pyramide sur la roue, là. Les angles de 105 degrés et 195 degrés. Nous avons le secteur 1, qui est la projection du 7 fois 24 égale 168. Et le secteur 2, qui est la projection du 6 fois 24 égale 144. Le numéro 1 n'a pas de hauteur, alors que le numéro 2 en a une. Le 1 est au ras de la base, tandis que le 2 est à la hauteur du sommet de la pyramide, semblerait-il. Ou il est long de la pente, en tout cas. À mi-hauteur, je dirais. Enfin, pas à mi-hauteur, mais à la hauteur qui donne le ratio. Et rapporté à la roue, on constate que la hauteur autour des 105 degrés, c'est en fait la poignée, ici marquée du nombre 2, de la roue de vol. Constatez que lorsqu'on superpose une pyramide, on a la reproduction du ratio de 1 à 1,272 en y apposant à leur limite la position de la poignée de la roue. Voyez. Là-haut. Et il y a une partie 1 aussi
qui est ce cloquer, ce cliquer d'anti-retour, on dirait. Mais on va en parler peut-être plus tard. Effectivement, c'est une liaison de métal qui est reliée à l'étoile et qui aide à la récolte du 168, c'est-à-dire du flux des cinq aimants, si j'ai bien compris. Voici illustré. L'alignement est parfait. C'est bien le même secteur d'angle. Et c'est bien les cinq aimants que l'on va considérer en ignorant les deux qui sont aux angles. L'orientation de l'étoile, schéma à l'image, correspondance avec l'autre étoile, dans le jardin, dans le bassin de la Lune. Dans le temple, l'étoile est au sein d'un angle particulier, ici. On pourrait croire que c'est un angle droit, mais en fait cet angle est un peu plus, d'un peu moins de 90 degrés. Et dans ce cas, ce n'est pas l'angle spécifique qui est important. La réponse est dans l'alignement, l'alignement vertical ici. Cet angle représente la récolte du 168. Il nous faut compter le nombre de faisceaux à l'intérieur de l'alignement. On peut définir les pôles nord et sud des aimants, et donc les flux positifs et négatifs. Le voici dessiné à l'écran. Cela correspond avec les aimants dont on a besoin de se servir sur les bords de la pyramide. Édouard Liskalnin utilisait souvent le terme « ma douce 16e » dans un de ses livres. Et il est intéressant de constater qu'un des plus vieux manuscrits de la Bible hébreu, le Codex de Leningrad, fait la même connexion. L'étoile et la forme en 16 créée par les doubles carrés, superposés à 45 degrés. Ceci donc. Il y a d'anciennes histoires de pierres qui flottent tout autour du monde. Oui, Nan Madol. La ville d'Is aussi, en Bretagne, me semble-t-il. Les Moai. Et alors, la pyramide? Mais ce sont juste des mythes, n'est-ce pas? Des mythes. Eh bien, elle nous a bien aidés, mais il nous en reste encore beaucoup à découvrir. Il est important de réaliser que les nombres et les formes géométriques sont complètement interrelacés, interreliés à notre réalité. Elles ont un sens. Eh bien, on va remercier Ed Liskalnin pour son bon travail. Je vais vous remercier d'avoir assisté. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon courage dans vos constructions. Salut.